dit. Passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre bobo, la guéou n'a deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 21 février 2024, mesdames, messieurs, go bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le troisième sortie journal Gazette Créole pour ce maintenant. Mais maintenant, pour nous pas le développer, dans le journal, ça, ancien ministre de Justice, M. Luc Mandel, il exprime réserve ligue concernant ordonnance juge Voltaire et puis pose des questions sur absence, quête non. D'après ça, dit opinion publique la tapante sur liste inculpée qui pourra la juger devant tribunal criminel. Ancien commissaire gouvernement pour le président dit la gain gros qui a sauté par rapport avec Jean enquête sur assassinat ancien président Jovenel là a passé en bas pied. Dossier caisse assistance sociale là en bain et pour une troisième fois hier mardi dans la cour d'appel Port-au-Prince. Cependant, la cour a pas prononcé l'autre fois encore sous demande en main levée avocat Edwin Tonton à Pierre Richard Valessio Tefek qui c'est une après l'autre ancienne directrice et puis comptable en chef CAS. Gain conseil supérieur pouvoir judiciaire qui voyait bail qui voyait lundi avant lundi 19 février à bail gouvernement yon nou l'autre liste 30 en juge certifié avec 12 lots qui passent certifié pour divers motifs tant qu'absence intégrité et prend corps dans mes justice bio et puis manquer et études académiques un policier Rémi Sensé yon l'autre fois qui mouri à qui on balle dans tête avec madame ni blessé dans main pendant yon attaque deux bandits exam qui était sous moto fait sous yon dans petite tense dans entrée S ville cap haïtien avant policier a mouri il était trouyé yon dans bandi yo Rémi Sensé avec madame ni tap sur la banque en médecin moun yo qui était dans machine nan pas gain rien pendant attaque. Il y a deux présumés bandits qui mourent avant lundi en échange coup de balle avec agent Utag et Udmo dans Mirbalet après attaque nèg examen te fait dans la nuit 18 février passé à sous commissariat Terre Rouge ak nan localité Franc-Cheval d'après PNH là. Groupe Sojebank a lancé officiellement hier mardi 4 débit international li ben moun ki va utiliser 4 non personnalisé ça ak homologué et ak homologué Visa pour capable faire transaction ni en Haïti ni à l'étranger. Ben il y a capable d'utiliser ATM n'importe qui banque. Gen centre culturel Konoumbwa qui lancé hier mardi à tout première édition concours dissertation avec présentation et oralie à baptême Haïti au cœur de la crise climatique. Concours a fait pour étudiants et élèves NS1 et NS4 dans Camperin. Rete branché n'ap tourné pour développement.ca. Bonsoir au journal ça gagne Benjo Pierre qui a fait manœuvre technique puis micro c'est Léon Kerr civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore un gros bonsoir pour nous tous, bienvenue dans développement premier partie journal là et c'est toujours avec dossier ordonnance sous enquête assassinat ancien président Jovenel Moïse dans a commencé pour partie côté gain ancien ministre justice Maître Luc Mandelil qui dit gain gros réserve concernant ordonnance juge instruction Voltaire Sotia il a posé cette question sous absence quelque nom d'après ça le dit opinion publique la captante sous liste inculpé qui doit à juger devant tribunal criminel. Ancien commissaire gouvernement capital là dit le gengo qui est sauté par rapport à façon il y a pas passé en papier enquête sur assassinat ancien chef l'état en côté Luc Mandelil. Moi ça dit dans la presse, moi ça dit dans Vision 2000, mais ici même beaucoup les documents véritablement. Et on connaît les avocats, il faut parler avec un pile retenu, un pile réserve parce que jugement c'est le cap su à charge et à décharge. Ça seulement capable dire en attendant les documents. Conseil de non, mon captain qui vient dans liste là, je pas elle. Est-ce que vous l'avez dit c'est parce que juge a pas joué assez d'indices qui fait moun ça veut pas épingler, moi pas connais. Est-ce que c'est politique, moi pas connais. Est-ce que il y a l'autre intérêt, moi pas connais. Beaucoup les documents. Pour m'apprendre sans pour me garder en qualité d'un ancien commissaire gouvernement de magistrat, doublé de magistrat et un ancien ministre de la justice aussi.
mais moi tendre dans la presse mais non ça yo avant même ordonnance de clôture juge a été sorti m'étais content de non ça c'est yo pas sorti l'ordonnance juge ça on ti j'ai étonné parce que en vertu du principe de l'instruction secrète comment non ça a été déjà dans la rue et puis c'est yo mot paraître là et moun yo t'attend qui t'a plan liste il va là ça c'est des interrogations que me poser que moi même pour que réponse en attendre les mails pour une meilleure lecture de chaque passé. Pour une question, par exemple, qui monde que le capton sur liste là et puis voilà l'état là. Bon, nous tendons, Marie-Lucie, nous tendons en pile non. Par exemple, rapport de CPJ, il parle d'un paquet de noms que nous pas ouais qui viennent sur liste là. Donc, nous te comprenons que nous t'avouons, bon, nous pas dit, comme c'est pas nos capes d'instruction. Et c'est vrai que on rapport de police, la justice pas forcément liée par un rapport de police. Parce qu'au cas de la justice, la police capable. Transmettre un rapport, bah, juge là, et puis, les juges en font enquête lui, et puis, ils viennent rendre compte que c'est pas que ça. Donc, ça que fait, bah, juge là, autant pour l'instruire. Mais, ordonnant ça, et moi-même, j'ai pile réserve sur lui, en ma qualité d'avocat. Donc, pas dit plus, mais moi-même, mon petit Jean, donc, très réservé, et à partir de l'ordonnance, je me suis là. Et, je crois que, avocat cap défend client, yo, comme la loi prévoit des vagues beaucoup, des clients qui épinglés et qui pas mérité là, selon eux-mêmes, et me connaît avocat, ça, comme ça, pour utiliser d'autres voies de recours, et pour lumière à éclater autour de l'assassinat président de la République, là, parce que, jusqu'à présent, bah, ça a été traîné. Moi-même, je crois qu'on président de la République, pas qu'à moi, dans la chambre, là, et Jean Bagay, ça a traîné, pour c'est comme ça, Jean, moi, ça va aller là, c'est comme ça, le va aller. C'est malheureux, c'est vraiment regrettant, et pour le pays d'Haïti, et là, disons, le niveau que n'a pas descendu là. C'est malheureux. Voilà, on t'a écouté déclaration ancien ministre de justice, ancien commissaire gouvernement pour Prince, Maître Lucman Delil. On a toujours été dans le dossier justice pour une fois qu'on a que dossier qu'est assistance sociale là, en bien été dans la cour d'appel avril lundi, pour une troisième fois. En bien, cependant, la cour a pas prononcé là, en bien, encore, il y a l'autre fois encore sous demande, mais levé, avocat Edwin Toto avec Pierre-Richard Valessio et fait et qui mettait en avant des gradation état santé moun sayo président la cour en ben li est mandé pour le travail dans dossier a pi plus et puis dans sens ça li dit la préserver le droit pour prononcer le lorsqu'elle pral rendre arrêt ordonnance li dans 30 jours qui pral suivre dernier audience d'après ça maître Carlos Hercule qui c'est avocat et Edwin Tonton expliquer li préciser qu'il y a 4 autres audiences qui t'a droit fait encore dans la cour d'appel dans 4 dossiers c'est là en côté explication maître Carlos Hercule. Je demande que nous te fait pour lui bailler on met le fait à madame Edwin Tonton lui décider pour le moment pas prononcer lui fait ça y aurait les on lui joindre demande là que nous fait la main levée à fond question cela les dit en termes plus clairs question ça ou bien demande ça que nous produire lui réserver pour lui prononcer sous lui le labran décision sur le fond, le prendre arrêt, ordonnance là. Donc, il n'y a pas dit ni l'y accepter, ni l'y rejeter, ni réserver pour les bail décision ni le prendre arrêt, ordonnance. Ça veut dire que le prendre décision sur le fond. Donc, c'est ça qui passait hier, mais ça fait notre troisième audience. Décision sur la cour d'appel pour le rendre de l'audience hier. Est-ce qu'il y a un délai pour prendre décision ça? Bon, oui, les gagnent l'audience finale la fête, l'appel gagne 30 jours pour les rendre arrêt ordonnance là. Mais c'est sur l'audience finale. Donc, mais là, comme il y a un pile inculpé, c'est environ 7 inculpés qui fait appel. Donc, le ça ou rien pour tout avocat, yo plaider. Parce que dans ça qui vient arriver hier là, c'est que la cour juge moun et plainte liant, c'est lui-même qui a déclenché poursuite là. Et plainte moun ça a pas cité. Donc, la cour mandé à ce que commissaire gouvernement, licité moun ça a comparé, licité organisation ça a comparé. Et on va arriver dans un moment côté que moun qui fait appel, qui pas dans prison, yo, parce que dans 7 inculpés, yo, gagne deux seulement. Il y a deux seulement qui sont en prison et ratio, yo même yo en liberté. Donc à ce moment-là, la cour probablement va le gagner pour lui demander commissaire gouvernement si Timon Sayo a comparaître devant. Ça va le faire dans l'autre renvoi qui fait
Donc, c'est ça que nous mettons entre 2, 3 ou même 4 audiences encore. Jusqu'à présent, nous-mêmes, qui c'est avocat, Madame Edwin Tonton, comment nous avons suivi en déroulement audition dans la Cour d'appel? Bon, nous avons dit que nous avons suivi parce que l'heure où fait, on demande de main levée pour un monde qui n'a pas situation, côté que santé très précaire et qui est assez visible, qui gagne toutes sortes de complications. Et vous comprenez que c'est subi, n'a pas subi, l'heure que la Cour n'a pas jamais prononcé le souli ou bien les différentes décisions. D'autant que le premier juge demandant main levée qui était produit devant la Cour n'a pas jamais prononcé le souli, ça qui est contraire avec la loi. Et vous arrivez là, que la loi permette que la Cour, n'importe quel tribunal, l'œil au fond exception devant, pour le vendre ni au fond, nous comprenons ça. Il rentre dans le cadre des prérogatives que la Cour gagne, mais ou même qu'a subi là, ou un sentiment d'injustice parce que depuis son exception, son demande qui produit devant une autorité qu'a jugé, il gagne absolument pour le prononcer le souli. Bon, ça n'a pas fait en première instance, malgré le juge la rend décision, l'ordonnance n'est pas prononcée sur la demande de main levée, ce qui est regrettable, mais contrairement à comportement juge première instance là, ou joindre en appel, la Cour lui-même lui prend pour lui joindre demande là au fond. Et ça, la loi permet que le fait lui pas décider pendant le cours de l'instruction, l'attendre, le la décider sur le fond pour lui tout répondre avec demande d'où est-ce que l'a pas gagné, est-ce que l'a projeté. Cette attitude mal de lui causer non des torts, mais nous reconnaître dimension légale là-dedans. Voilà, au top côté déclaration, Maître Carlos Hercule, qui c'est avocat, Edwin Toton, qui c'est ancienne directrice CAS. SOS journaliste continue de dénoncer implication commissaire gouvernement Okaïla Ronald Richmond, assassinat journaliste Gary TS, secrétaire général SOS journaliste Aguilar Cédelva, fait qu'on ait gagné un monde qui était participé dans le complot, qui fait qu'on ait, et chef poursuite là, t'es joué un rôle clé dans le tribunal pendant le souligné Gary TS, t'as préproché chaque jour Richmond, dans arrestation illégale, exécution, dans bâger tout le monde, implication, dans conflit, et qu'on a fait ça chaque jour, et ce journaliste m'a dit une autre fois encore, pour le ministre Ariel Henry, ministre de la Justice, là, et m'a prophète, pour révoquer sans perdre de temps, comme ça, le gouvernement Ronald Richmond, n'a pas posté dans l'idée pour être capable de répondre avec question saillot devant la justice, dans le dossier, c'est là, en côté Guy Lercé, d'Elva, dans le micro, gentil Jean-Michel. Dossier Garité, ça, c'est un dossier qui est vraiment tragique, dans le sens que, imaginons un journaliste, 18 octobre 2022, il a enlevé monsieur, et le 24 octobre 2022, il y a eu un cadavre, monsieur, dans une ville de Foucault, tout près de Vilokai, et il a sacrifié le journaliste. Donc, nous-mêmes, est-ce un journaliste, nous extrêmement choqués devant Zaksa, un Zak qui parle vraiment pas gagnant, et mais ça plus grave là, nous malgré ça fait bon commissaire gouvernement là au cas qu'il est Ronald Richmond qui lui-même accusé non crime ça parce que un citoyen les Wilkins Tyrogène a quitté la prison. Imagine le juge instruction sur ce dossier là, il n'a pas jamais demandé la guide Tyrogène commissaire lui-même comme Tyrogène c'est mon parle c'est l'ita peut-être c'est pour les Tyrogènes qui travaillent. Monsieur ça je n'ai pas aucune ordonnance pour la guide Tyrogène. Monsieur la guide Tyrogène de son propre chef. Un moment à cause de la plague journaliste Galan Hippolyte que nous avons réclamé libération, j'ai tout lagué, moun par là, qui est le Tyrogène, Wilkins Tyrogène, qui c'est moun qui accusé comme moun qui t'a exécuté le crime là, mais c'est commissaire qui vraiment, selon information, information que nous avons là, c'est Chito Ben, alors Pierre-Ricardo Ben, alias Chito, qui lui-même dans la prison actuellement là dans Carrefour. J'étais au cas, mais Richmond voulait le Carrefour, sans pression de la grande prison, sans aucune justification. Il voulait le Carrefour, et monsieur, actuellement, il garde demain, il est dans le Carrefour, en prison, et monsieur, son est en danger tout, dans le sens que monsieur, son monde qui a parlé de bagailles, qui n'a pas fait Richmond plaisir, dans le sens que, actuellement là, et moi-même, l'obligé de demander la police dernièrement, demander autorité dans la police là pour des mesures spéciales pour protéger Pierre-Ricardo Ben, alias Chito, la ville menace actuellement pour le Premier ministre Ariel Henry et ministre Émile Prophète pour que rapidement je prenne décision pour mettre Ronald Richmond à la disposition de la justice parce que j'ai un pile question pour répondre par rapport à comportement dans le dossier
Gary Tessa. Parce que je n'ai aucune raison pour nous, ce commissaire gouvernement, ou à forcer deux actes vraiment impossibles dans le dossier. Quoi foirer le dossier, alors que c'est vous-même qui l'a pour assurer que justice faite, c'est vraiment impossible pour l'accepter. Donc, demander encore une fois au Premier ministre Ariel Henry pour prendre décision et pour vraiment permettre que Gaïtès joue une justice et permettre que Ronald Richmond capable de paraître devant le juge pour répondre aux questions. Au tap côté déclaration Guy Lercé d'Elva Gain syndicat national policier haïtien yo qui dénonce décision barreau cap haïtien pour interdire tout avocat qui fait partie barreau à défendre agent Udmo bien qui accusé dans batte commissaire gouvernement en juridiction Charles-Édouard Durand avocat sénateur Jean-Ronel Sistanis encourager responsable dans barreau deuxième ville PIA pour saisir bon côté parle coordonnateur sénateur Lionel Lazare qui mandé tout policier yo pour porter solidarité avec de l'autre policier Sayo en côté une après l'autre Jean-Ronel Sistanis à Lionel Lazare dans le micro David Lechard. Sur une note qui datait 15 février 2024 de Bao de Cap-Haïtien. Note ça a mandé pour que aucun avocat du Bao de Cap-Haïtien pas défendre policier qui était dans altercation avec commissaire gouvernement Cap-Haïtien maître Charles Édouard Durand. N'a pas rappelé à commissaire ou bien à Bao Cap-Haïtien que notre ça est complètement en contradiction avec décret 79 là régissant la profession d'avocat. Conformément à l'article 2 du décret ça, la profession d'avocat elle est libérale et indépendante, c'est-à-dire Bao dit de faire surveillance sous discipline comportement avocat yo même pas gagner pour imposer yo ça. Donc ça veut dire que Bao Cap-Haïtien dit à censé voulait retirer indépendance qui gagne dans cadre exercice profession d'avocat. Donc à aller plus loin, on dit que policier yo pas même gain moyen pour te payer service son cabinet pour défendre yo. C'est les barreaux même qui devraient choisir des avocats, mettez yo à disposition des policiers ça yo. C'est vrai que n'a condamné, il faut le dire, comportement policier yo, bien sûr. Nous pas encourager policier agir dans ce sens ça. Mais cependant, moi pas vle en aucun cas que barreau Cap-Haïtien li retire droit policier yo gagner pour gagner avocat pour assister yo. Par rapport avec notre ça. On a demandé tout policier à travers le pays. Nous pas besoin qu'on ait que ou t'es dans une unité spécialisée, ou t'es en bas commissariat, ou t'es dans garde-côte, quel que soit côtoyé dans la police là, on porte solidarité nous à policier Udmo Sao qui dans isolement Cap-Haïtien parce que nous estimons que au niveau Sinapoa, y a besoin à tout prix faire policier habile. Jodi a la nous comprendre que avocat Cap-Haïtien juge yo capable assister voler yo capable assister moun k'ap kidnapper moun yo capable assister dealer drogue parce que peut-être c'est moun sa yo qui est cob qui capable payer yo mais policier lui-même n'est pas gain cob par rapport avec un bagage qui passait jodi a la bao a dit que pour pièce avocat pas assister policier sa yo c'est moment crivé pour nous mettre tête nous ensemble en tant que policier et policier qui en détachement avec juge avec commissaire gouvernement qui pensait que d'un matin ça crive collègue de moyo dans cadre travail par yo li capable river autour n'a demandé yo fond détaché de moun sa yo qui comprennent que pour humilier nous gens que a fait là n'a demandé pour inspection générale la police à tout pour mener enquête li et nous demander que pour ministère la justice qui c'est ministère de tutelle la police et commissaire gouvernement pour yo fouiller bouche dans dossier parce que ka imaginer jodi a Jean avocat au campé ou bien monsieur qui n'en bas au Cap-Haïtien au campé a policier au cas dit bon yo même yo pas pral exécuter mandat yo pas pral nan prison yo pour yo mener prévenu devant yo laisse ça n'a comprendre que c'est moun sa yo qui pi mal là c'est yo même qui a souffri qui donc nous souhaiter que gon entente qui joigne par rapport avec ça. Gen policier Rémi Sensé qui mourit avec une balle dans la tête et puis madame est blessée dans main pendant une attaque à deux bandits à exam qui était sous moto fait sous yo dans petite temps d'entrée et sa ville Cap-Haïtien avant les mourir policier a touyé yo dans bandi yo Rémi Sensé avec madame est sorti la banque en bête simonio qui était dans machine là en bête pas gain rien pendant attaque si là gen coordonnateur sénateur Lionel Lazare qui condamné une autre fois encore une nouvelle victime qui gagne dans effectif PNH là entre côté Lionel Lazare dans micro David Lechard. Nous avons dit sorti pour le mois de janvier pour arriver février à la gain en total 10 policiers qui mourent.
gen 7 policiers c'est malade que policiers ça été malade yo mouri gagnent 2 policiers qui mouri récemment là le 14 février dans zone Bostad policier 31e promotion et puis tout nous gagnent hier dans ville Cap-Haïtien gen policier Rémi Sens qui sont 22e promotion qui t'a travaillé dans SDPJ information responsable Sinapo dans département Nord nous c'est que policier a été sort faire une transaction l'elle t'a pas la caille nèg exam croisel yo fait braquage sur lui yo tirer mais policier nan cas d'échange qui il était gagné gagne un monsieur bandi qui tombé madame policier li prend un balle nan main petite li sorti sain et sauf bon l'autre policier encore c'était nan Tombec qui te font accident et qui donc il y a 10 policiers qui ont perdu la vie soit dans accident ou bien par balle l'autre bagarre encore jodi a là comme syndicaliste comme structure cap goumen pour bien-être policier yo gen plusieurs bagarre cap passé nous estimer que li mandé pour nous parler de yo par exemple nous gen institution côté que majorité policier qui prend grade depuis 4 ans 5 ans 6 ans jusqu'à présent yo pas qu'on jamais capable toucher arrière grade yo mon nan commissaire divisionnaire l'a touché grade commissaire de police mon agent 4 l'a touché grade agent 1 agent 2 qui donc ça n'est pas bon pour moral policier nous gagnons yon équipe moun ki nommé ça va gagner 2 ans et demi qui c'est personnel administratif en d'institution il y a le travail mais jusqu'à présent yo poko jamais touché tout ça c'est problème qui supposé résoudre en dans institution policière là. Voilà, au tap coûté déclaration Lionel Lazare.